Salut Artist Forever, l'amateur. Bon, c'était pas du tout prévu aujourd'hui, mais je me trouve devant la galerie Saleya à Nice. Comme son nom l'indique, elle est vraiment sur le cours Saleya. Il y a des œuvres magnifiques, les galeries étaient super agréables. Et vous allez voir, je vais vous interviewer un artiste aussi que vous allez adorer. A tout de suite. Bon, salut Artist Forever encore une fois. Donc là, je rentre, je pénètre dans cette merveilleuse galerie. Et regardez comme Steve, le galeriste là-bas, qui est là-bas au fond, a su choisir les œuvres de ses artistes, a su choisir les artistes, parce que c'est vraiment, c'est ma galerie préférée en fait. Enfin bon, je ne vais pas dire ça, mais c'est une des galeries préférées de la Côte d'Azur. Et là, regardez ça. Donc vous allez venir parce que c'est sur le cours Saleya, c'est la galerie Saleya. Et vous serez enchantés. Et aujourd'hui, je rencontre Nicolie Paulin. Par hasard d'ailleurs, il est en train d'admirer son œuvre. Une de ses œuvres magnifiques. Elle mesure combien, Nicolie? Elle est presque aussi grande que moi. Hein? Alors, Nicolie, tu continues? Bien sûr. Ah, mais elle n'est pas finie. Tu l'as finie, en fait, si. Je l'ai fait parce que j'adore Niki Santal. C'est hommage de Niki Santal. Ah oui, tout à fait, avec les formes. Elle était bien connue à Nice aussi. Ah ben oui. Il y a plein de œuvres d'elle en moment. Et ça fait plaisir de les voir déjà. Et quand je l'ai vu, je ne sais pourquoi pas je l'ai fait. Je le dessine. Mais dis-moi, alors tu as fait comme elle, donc l'armature, elle est comment? C'est résine, ça c'est résine. C'est de la résine à l'intérieur? Oui. Oui, oui. Et en fait, c'est une œuvre que tu ne termines jamais, quoi. Et tu fais ça avec toutes tes œuvres? Mais l'œuvre, je n'ai jamais fini. Mais c'est vrai, ça. Il y a des tableaux que j'ai fait, ça fait 10 ans, et il n'est pas fini encore. Alors c'est comme ça, ça change, ça change. Oh, oui, oui, oui. Et quelle chance que Steve, déjà, notre galeriste, il est magnifique, il est gentil. Steve, il est gentil, te laisse venir un peu. Alors, il te laisse venir un peu tous les jours pour finir ton œuvre. Et donc, ça va. Il ne demande rien du tout, déjà. Hein. Parce qu'il y a le galeriste qui te demande. Hein. Pas, ça ça. Et donc, Niki de Saint-Phalle, mais art brut quand même. Donc, avec beaucoup d'émotion, mais beaucoup de détails. Et voilà, tu es en train d'ajouter quoi, là? Je voulais... C'est une... bête ou quoi, non, là, je crois pas. C'est pas du tout bête, c'est que le personnage, en fait. voilà, je c'est une petite femme de 6 mètres. Je plaisante un peu, hein, mais enfin, il, comme il, de toute façon, c'est un histoire d'adoption, hein, oui, Nicolie. Oui, il est tellement heureux d'être là maintenant, et il se débrouille merveilleusement bien en français, donc il comprend même toutes les petites plaisanteries. Oui, tout à fait. Bon, c'est magnifique. Et tu dis, tu as ton atelier à côté. 6 places vieilles dans le Viennese, 100 mètres à côté. 100 mètres à côté, donc je pourrais venir dans ton atelier un jour. Bien sûr, vous êtes bienvenue. Ah, ben oui, bien sûr, j'espère. Et je verrai. Donc des femmes, elles sont toujours debout, parfois tu les fais coucher, tu les fais. Oui, mais ça fait plaisir ça. Bon, je vis avec une fille, mais ça fait plaisir de l'autre aussi. Bon, c'est joli fait. Là, c'est. Oui, oui, des jolies formes. Oui, devant, c'est bien, ça, derrière aussi. Le monde d'amande, ça fait plaisir. Oui, oui, oui. C'est rigolo comme tu vois. Magnifique. Elle est très belle, vraiment. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, très, très, très bien. Bon, Steve, c'est un bon choix. Oui, je suis content d'avoir choisi Nicolie parce que c'est un artiste qui est très particulier. Soit on aime ou soit on n'aime pas. Et en plus, bon, j'aime bien. Et, depuis qu'il travaille avec moi, il a aussi un peu progressé. En plus, hein, grâce à toi, il a progressé. Tu fais autre chose? Tu fais d'autres décors? Des personnages aussi, c'est pas seulement. En fait, c'est des amis de personnages. Oui. Ça, j'adore aussi parce que c'est comme des carnavals. D'abord, vous avez une deuxième sculpture de moi aussi. Eh oui, là. C'est des carnavals. Ça va bien, oui, oui, oui. En fait, je suis dans l'art brut. Oui. Mais ça, par exemple, j'étais exposé en Genève, ça fait 3 ans, dans une grande hôtel qui s'appelle Mandarin Oriental. Ah oui? Et tu exposes où encore? Un peu partout dans le monde.
J'ai mon atelier ici, après j'expose. Mais quelle chance de travailler avec les vrais collectionneurs de l'art. Écoute, Nicolie, je viendrai te voir aussi dans ton atelier, dans Vionice. Pourquoi pas, mais bien sûr, je te dis. Regardez ces couleurs, en tout cas, c'est la vie. C'est la vie, c'est la joie. N'est-ce pas, Steve? C'est la vie, c'est la joie. Avec ces différents artistes, et surtout avec Nicolie. Oui. Un grand artiste niçois. Niçois, absolument. Nicolie, merci beaucoup et à bientôt. Et bonne continuation dans cette belle galerie.